Alors, Nikos, comment il est? Ça va bien. Ça va? En tout cas, bienvenue ici, Bassin Labou. Hein? Merci, merci beaucoup. En tout cas, il fait un plaisir de te recevoir moi ce soir. Autant le cri des crapauds d'hier, là, ce soir-là. Et c'est un endroit super génial. Franchement, il est top. D'accord. La première fois ici? Première fois. D'accord. Hein? Nikos, nous l'a connu à où il y a pas mal de temps de cela avec un morceau qui a bien fonctionné. D'ailleurs, qu'on va retourner un petit coup sur la scène tout à l'heure pour faire à nous ce morceau-là. On aura l'occasion aussi à la fin de l'émission d'écouter ce clip-là, hein, de cette chanson. Mais raconte à nous un petit peu, c'est qui Nikos? Ben écoute, moi j'ai un petit chanteur, on essaye. Enfin, un chanteur, les normes, parce que de nos jours, un chanteur, c'est une star là-bas aux États-Unis. Ouais. Mm-hmm. On essaye, on fait un petit peu la musique comme passion. Mm-hmm. Voilà. Et il aime ça. Il aime le partage musical, on va dire. Mm-hmm. Voilà, donc il reste simple et il essaye. Et non, Nikos, là, un petit peu grec, ça, non? Ou ça, pas titre, ça, c'est vraiment un nom, bien sinon, c'est un nom d'emprunt. En fait, mon prénom, c'est Nicolas. Ah, d'accord. D'où Nikos. D'accord. Donc, comme attendu, Nikos me dit, ça sort en Grèce là-bas. Ça me demande un petit coup François, parce que François, elle est à côté de moi aussi, François. Hein, on connaît, hein, bah, Nikos, c'est un prénom grec, ça. Normalement, oui. Hein? Tout ça qui sonne en os. Voilà, avec un calan dedans, tout ça, là. Hein? Voilà. Alice, Nikos, il sort dans l'ouest. Non, mais il y a un cas aussi, hein, un Nikos créole. Nikos créole, il sort dans l'ouest. Ouais, il y a un Nikos créole, Nikos créole et tout. Dans les et à demi. À demi, pente, hein, alors, à quel endroit la possession. Possession, la d'accord, possession. Là-bas. Hein. Depuis quand on est dans la musique, Nikos? En fait, moi, je démarre en 2004 avec le groupe Tissel. Oui. Ok, parce que je connais le groupe Tissel. Voilà, ouais. C'est un cousin à moi. Ouais, ouais. Tissel. Hein. Allez, même tes chants de bonnes morceaux, un peu bizarre, là. Voilà, je connais. Après, il y a une famille, on va dire, en règle générale de la musique, il y a un tonton. Un vieux de la vieille qui me fait un coucou aussi, c'est Johnny Laporte. Ah, c'est un tonton à moi. Ouais. D'ailleurs, Johnny, il a écrit un morceau pour, non? Oui, exactement. Ouais, la diamant, Johnny, la diamant. La femme de ma vie, hein, Johnny. Et d'ailleurs, on a un clip aussi dessus. Exactement. Hein, voilà, et qui passe chez nous, d'ailleurs. Oui, hein. La vie, comme il connaît bien l'actualité de Nikos. Hein. Ouais. Et après, d'autres morceaux encore comme ça? Ben là, dernièrement, on a fait un petit Joe, l'année dernière, avec Jess. Qui me fait un coucou aussi d'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle Nook D. Oui. Parce que c'est ce canal austral. Et il me fait un coucou parce que voilà, c'est une petite aventure que je l'ai vécu pendant un an. Il était super. C'était un très beau duo que je l'ai partagé avec elle. Il me fait un coucou d'ailleurs. Et puis voilà, il me fait un coucou aussi aux personnes que actuellement il accompagne même musicalement. C'est monsieur Bruno Diac. Que voilà, il en a son studio aussi, Décibel. Et ne m'oublie pas David Luizin aussi. Mm-hmm. Voilà, mais là, démarre avec. Vous l'avez fait au début là-bas aussi, non? J'ai fait mes débuts là-bas. Mm-hmm. Mais pour être honnête avec vous, le premier morceau que Talem a chanté, ou la partie, a été écrit par Bruno Diac. D'accord. Et nous l'enregistre avec David. D'accord. C'était une collaboration que nous l'avons fait ensemble à l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. C'est pour ça qu'il appelle ça le partage musical. Parce que donc tout ça là, la réunion, nous les petits. Et moi, j'y aime bien le partage musical, c'est-à-dire que ma point de production à proprement dit, mais j'y partage la musique avec tout le monde. D'accord. Alors, moi, c'est ça mon philosophie, c'est de partager la musique. Mais Nikos, dis-moi, là, où bonne musique au feu, là, c'est à connotation comment? Sega, Maloya, Segalov, plutôt. Pour le moment, c'est du Segalov. C'est du Segalov, hein. Ouais. Mais Mia vous azote que il est en préparation d'un album, peut-être l'année prochaine, avec ce que l'arrivée en ce moment, là, est un peu difficile, on va dire, de avec ce Covid. Avec ce Covid. Donc l'année prochaine, peut-être éventuellement, il aura un album, sera un peu varié, un peu de Sega. Un peu de Maloya électrique, on verra bien, ce sera la surprise. Parce que Nikos, il fait Maloya aussi. Voilà, un petit peu Maloya électrique. D'accord. Avec des accompagnements d'autres artistes aussi, ou bien peut-être, sinon en solo comme ça. Peut-être, on aura peut-être éventuellement des featuring. Ouais. On verra bien. Mm-hmm.
ceux qui veulent venir partager un peu la musique avec moi, pourquoi pas. D'accord, d'accord. Ma porte est ouverte, en fait. Donc, mais quelqu'un me l'ouvre musicalement, ma point de restriction musicale, on va dire, on peut faire un peu de tout. Et après, mes partages. Ouais. D'accord, d'accord. Et la musique a commencé là, hein? Avec quel âge? David a dit, moi, tu es là, mais j'aimerais bien qu'on arrondisse. Moi, un petit peu. Quand on a commencé la musique, j'avais 17 ans. 17 ans. 17 ans. Ouais. Mais chanter, même, on a commencé depuis l'âge de 8 ans. Ah bon? Voilà. Et vous avez des artistes que vous aimez bien quand t'es jeune, avec 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme ça, là? Oui. Hein? Des artistes de La Réunion ou plutôt des artistes de l'extérieur? Un peu de tout. Un peu de tout. Les artistes de l'extérieur avaient, à l'époque, connaît les on va dire les boys band, Poetic Lover. D'accord, d'accord. Oui, ouais. Mais après la musique locale, même que la Nutracine, en fin de compte, il y en a Tifoc, il y en a Devisica, Collège de Beaux-Arts, il y en a un peu de tout, c'est Gatier, il y en a Mapérine. Oui. Mapérine, ça c'est, vous connaissez, c'est la musique longtemps, ouais. Canel. Canel vélo, aussi. Ça c'est bon, anciens que voilà que m'y apprécie et que. Et là, aide à où toutes ces musiques là pour pouvoir écrire et puis après chanter, composer actuellement les chansons qu'on fait comme voilà, ça. Voilà, ouais. Voilà. Aide à moi parce que me l'inspire moi beaucoup de ce genre musical. Mm-hmm. Après aujourd'hui, on a des artistes que m'y aime bien comme Devisica, ouais. David Samon, mm-hmm. qui fait rien ça lui aussi. Ouais. Et qui sera bientôt chez nous parce qu'il appelle à moi dans la semaine en disant moi comme ça que bientôt il vient chez nous. Donc nous va dire comme ça comment il se passe ici. Hein, ou explique à lui comment il se passe ici parce que c'est la boue. Voilà. Voilà. Mec, et bien mieux ce que lui fait. D'accord, ouais. Alors. Hein. Voilà. Alors, Nikos, ce que nous va faire, c'est que là, Missalès, ça va aller un petit coup de l'autre côté là-bas, au loin, là-bas, sur la scène, là-bas où ça a tout le bandalon. Il y a Tanao, il y a David Luizen, il y a Dial Segué, là-bas, Tanao, il y a Titi, il y a un petit peu de tout le monde là-bas. Hein. Et puis, avec un autre morceau, hein, un morceau que ça fait en live, comme ça, qui appelle. Un petit pas en arrière, oui. Ou la partie. Ou la partie. Mais bon, voilà. Ça va tout de suite? Super. Mais bon, alors, allez. Quand mes rêves à où tout bon moment à côté d'où par on a moins fou j'en dis mi mazin mais les difficiles ou la préfère sec li moi t'es préfé tout pour mon café mi aime à où mon bon sentiment pour ce soir, on nous passe un petit moment tranquille entre amis sur le canal Austral avec David Luizen, Dial Segué, Titi et bien sûr Monsieur Coindin. Même si ou la décide d'aller, ou va reste toujours le premier dans mon pensée. Tout sacrifice, moi l'a fait. On a moins compte que moi les pas récompensé. Du rêve à la réalité, tous mes espoirs t'es brisé. Du rêve à la réalité, tous mes espoirs avec ou t'es brisé. Moi t'es prêt fait tout pour au café. Sentiment pour vous, il rend à moi fou. Moi, t'es prêt, tout pour vous. Mon café, il m'y aime à vous. Mon bon sentiment pour vous, il rend à moi fou. Moi, t'es prêt, tout pour vous. Mon café, il m'y aime.
up Canal Austral. Eh ben, où le parti nous la revenir, François aussi la revenir avec moi là ici, François. Hein? Exactement. Hein? La partie, mais, écoute, quand les bons nous restent là. Ben oui, alors, nous reste là, hein, pas après, besoin d'aller. Non, hein? Pas besoin d'aller. Après, nous va aller d'un instant. Les bons. Et nous va aller manger d'un instant. Un mais petit... là, on a encore un clip pour écouter. Voilà, non? Un clip. Non, nous écoutons le clip dans un petit instant, comme ça, là. Et puis, avec des morceaux comme ça, vous l'avez dit, moi, t'as là, hein, que c'est la première fois qu'on fait ce morceau-là en live, comme ça. Mmh, et pas vrai. En version acoustique comme ça. Acoustique. Hein? Il était super. Hein? Ouais. Improvisé. Hein? Improvisé. Ouais. Même où tu ne te connais pas. Hein? Non, ouais, donc comme ça, pas. Quel morceau ça fait, on ne te connaît pas. Oui, il voilà, faut dire qu'on a pas mal de morceaux aussi. Oui, ça va. Il y en a quand même 3 ou 4 morceaux. Il y en a 2 Joe. Oui. Une avec Daisy. Qui oui. Fait la connaît aussi. Ouais. Daisy ouais. Mohamed. Ouais. Et c'est une superbe artiste aussi, mm-hmm. Que m'y apprécie beaucoup aussi. Ah ouais. Et que voilà, elle invite à moi sur son album qu'elle a été fait avec David Luizien, bien oui. Évidemment. Uh-huh. Elle invite à moi pour faire un jeu avec elle. Et il était super aussi. Mm-hmm. Il était super et voilà, me fait un petit coucou à Daisy. D'accord, voilà. Alors Daisy qui est toujours un petit peu timide. Hein. Mm-hmm. Et donc, bienvenue, il y a quelques temps de cela chez nous. Et entre temps, l'art nous attend avec plaisir ici, ben, c'est un labo. Hein. Mais bon, les amis avec lesquels on a fait de la musique, hein, à part moi, mettez l'intrus à l'intérieur hein, parce que tu cherches un bassiste, ça met à moins de la place. Hein. Mais bref, les amis comme Titi, comme Dial, ne parle pas de David puisque ça, c'est des camarades qu'on connaît depuis longtemps. Hein, mm-hmm. Où là, l'habitude aussi de fréquenter un petit peu. Ils sortent un petit peu ensemble, ils ont un petit peu des baroudeurs ensemble aussi. Oui, hein, voilà, voilà, hein, voilà. Et à chaque fois, ils sortent, ils puisent un petit peu l'inspiration de tous ces artistes-là oui, aussi. Oui, c'est bon d'allons depuis des années, on va dire, de la musique. Ouais, ouais. C'est bon d'allons que l'a toujours été là, que l'a toujours été pas là moins. Ouais, ouais. C'est bon gars qu'on peut compter dessus, Dial Segué, Titi, a toujours été des conseils pour moi aussi. Ouais. Donc, me dit, oh, c'est bon gars que jamais on va la gâter. Hein, ouais, 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 ouais. Et dis-moi, Nikos, hein, ah où est la cuisine là hein, c'est une la grande cuisine. Histoire d'amour, bien, les loin, loin, loin. Ah là. Non, figure, ah, ok, il fait aussi la cuisine. Hein? Il fait aussi la cuisine. Minet, papa, que les cuisiniers. Ah il ouais. Fait rien, coucou d'ailleurs. Aussi la famille, hein, maman et tout, et mes deux frères. Et ma femme, bien évidemment, et mon fils. Et oui, mon papa, les cuisiniers. Donc, ah bon. Il a. La grandi dedans aussi alors on a grandi dedans. D'accord. Toute ma famille, mon bon tonton, mon parrain, etc. Mémé, tout ça, dans la cuisine. D'accord. Il fait un petit peu la cuisine aussi. Allez, bon, donc, à soir, on a vu que ça nous mange là. Oui, hein? À soir, nous avons mangé un bon carré là. Ouais, un bon petit carré, poisson frais. Hein? Non. Ça, c'est bien, elle a fait. Puis Mathias, hein, elle a fait nous un bon petit carré poulet. Aussi. Exactement, et puis exactement. Un petit carré, la Corée coque. La Corée coque. On n'a jamais vu ça. Premier fois, nous entendons ça. Hein? Nous va bien voir. Nous va bien voir. En tout cas, nous mettre de l'eau de la bouche toute bonne, Mouna. Là. Et nous mettre encore de l'eau dans notre bouche parce que là, c'est ça savoureux devant le clip que nous avons regardé là. Ou le clip, hein, le morceau, il appelle. Ou la partie. Ou la partie. Ok, alors nous finis là-dessus alors. Et bon. Et puis. Big up Canal Austral. Merci beaucoup, monsieur Coindin, d'avoir invité à moi ce soir. Et ce sera un plaisir, évidemment, de revenir dans cette émission-là et repartager la musique avec vous. Mais bon, merci beaucoup. Merci. Donc, monsieur, c'est François qui était à la régie ce soir, François. Hein? Ah, hein? Ben, il faut bien. Au four et au moulin. Il faut bien un ok. Au four et au moulin. Hein? Voilà. D'accord, alors, ok, les bons. Belle soirée. Soir. Belle soirée, hein, soirée. Les bons. Hein? Artiste top. D'accord, au son des canards et des oies, voilà. Il a fait un petit peu de résultat ce soir. Hein. Ça, c'est le bon artiste qui habite ici. Qui habite ici, les bons. Nikos, nous retrouve. Nous retrouve. Allez, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Moi, t'es préfet tout pour au café de Miami. Mon bon sentiment pour. En a moins fou. Comme il rêve en vous.
sentiments pour vous, ils rendent à moi fou. Moi tu préfères tout pour vous, mon café ni un maman. Bon sentiment pour vous, ils rendent à moi fou. Moi tu préfères tout pour vous, mon café ni un maman. Bon sentiment pour vous, ils rendent à moi fou. Moi tu préfères tout pour vous, mon café ni un maman. Et même le soir, mes gars, ils pissent au meilleur poste, ma zine en haut. Même le soir, mes gars, ils pissent au meilleur poste.